Beau matin à toutes et tous, on se retrouve eh bien pour le dernier message, les énergies de ce vendredi 21 avril 2023. Comme vous le savez, je termine ma semaine avec vous le vendredi. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, je me libère totalement de tout jugement. Colère, culpabilité et totalement du passé. Je mérite de vivre dans l'abondance. Aujourd'hui, j'ai pigé le 4 d'air. Alors, la suite d'air, elle est associée à l'intellect, mais pas que. Elle est également, elle peut aussi refléter eh bien, nos inquiétudes et nos peurs. Vous savez que le mental eh bien, a tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas, quelquefois. Le 4 d'air, intuition qui vient de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Épuisement mental, dormez davantage. Pout, 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 pout. Regardez un petit peu hier ce que j'ai pigé, donc il est réellement temps hein, de freiner, de déléguer et de prendre soin de vous, de dormir davantage. Il est temps de s'extraire de la frénésie du quotidien pour souffler un peu. Donc certains d'entre vous, comme la carte d'hier, hein, arrêtez d'appuyer sur le champignon, n'est-ce pas, sur la pédale. On vous demande eh bien, de freiner vos ardeurs, de souffler un peu. On vous invite à trouver un moyen de calmer votre esprit, parce que là, il est en ébullition. Hein? Et vous savez que lorsque on n'est pas bien mentalement, psychologiquement, ça se répercute sur le corps. Et voilà, pourquoi pas méditer? Pourquoi pas aller vous promener ou même faire une sieste? La méditation, bon, vous savez que moi je la pratique tous les jours, donc c'est un bon moyen à revenir à soi et d'apaiser, de souffler un peu. Et c'est une solitude qui est heureuse quand, lorsqu'on médite, n'est-ce pas? Quand vous allez vous promener seul, c'est une solitude heureuse aussi, hein? Peut-être que les réponses que vous cherchez avec l'intellect ne viendront tout simplement pas si vous réfléchissez trop. Et là, présentement, il est temps de laisser l'âme et l'inconscient vous aider à gérer vos problèmes. Alors, ça peut être une solution. Arrêtez de penser à vos soucis. Concentrez-vous sur autre chose. Des choses beaucoup plus joyeuses, des sujets beaucoup plus joyeux. On vous invite à dormir. On vous invite à dormir suffisamment. Et de vous donner le temps nécessaire pour vous remettre de vos éventuels problèmes de santé. On vous demande de revenir à vous, de souffler, parce que là vous êtes à la limite du burn-out. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas.
Quoique le message d'hier, les énergies d'hier reflètent la carte d'aujourd'hui, n'est-ce pas, du tirage aujourd'hui. Alors, voilà, pour certains d'entre vous, si vous avez la possibilité de prendre des vacances, quelques jours de vacances, laisser du temps avant de prendre des décisions, parce qu'il y a un épuisement mental qui est là. Et cet épuisement mental reflète sur votre physique. On vous invite à la méditation. Oubliez vos soucis pour le moment. Faites un break. Il est temps de faire un break. Il est temps de vous retirer de l'énergie frénétique du monde pour pouvoir réfléchir à votre situation. Alors, on vous invite à demander à l'archange Raziel de vous aider à trouver la paix en vous. En vous offrant sa compréhension magique de votre propre monde intérieur. Faites appel à l'archange Raziel. Il ne demande que ça, vous venir en aide. Raziel. Et vous pouvez faire une méditation avec cet archange, un mantra. Alors le mantra, c'est répéter le nom de l'archange. Raziel, 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 pendant 10-15 minutes, et demandez-lui de vous aider. Alors, on termine avec le petit oracle des anges gardiens, et là, j'ai pigé changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, eh bien, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, en douceur, dans la douceur. Prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dans une prochaine capsule. Et puis d'ici là, je vous embrasse tout fort. À tout bientôt.